Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier signe astrologique du mois d'août 2021. Donc qui sera les taureaux ascendants et signes lunaires en taureau. On va voir quel est le message tout d'abord pour vous. Quel est le message avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qui ressort ici? Nous avons la purification par l'eau, purification des émotions, rajeunissement. Donc là, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous purifier intérieurement, de vous libérer au niveau émotionnel. Et vous allez rentrer dans une période peut-être avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité, une capacité pour vous à ressentir les énergies, à percevoir les messages qui arrivent dans votre vie aussi, dans ce que vous traversez. Alors, on va voir avec le Lenormand ce qui ressort, quelles sont plutôt les énergies qui vont vous accompagner. Donc ici, dans les messages pour les taureaux, qu'est-ce qui ressort? Dans la coupe, nous avons le puits et nous avons l'énergie du consultant. Alors ici, il peut y avoir justement le fait de chercher des réponses, le fait de puiser à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment avoir la possibilité de creuser, de rechercher des réponses plus intenses, plus profondes dans une situation. Et ça peut concerner un lien important que vous avez. Je pense qu'il y a une personne qui est beaucoup focalisée sur quelque chose du passé ou qui repense à quelque chose et qui essaie de trouver des réponses. Donc ça peut représenter vos énergies dans le sens où vous êtes en quête de quelque chose, vous cherchez des réponses dans une situation également. Alors, qu'est-ce que nous avons ici dans les messages? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on a l'anneau, on a le cercueil et on a l'énergie de la consultante. Donc là, on a une personne qui est en train de tourner une page par rapport à quelque chose qui est peut-être terminé, donc en train de faire le bilan d'une situation. On peut avoir une personne qui justement clôture un cycle important où cette personne a besoin de voir quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui peut se présenter et également de clôturer quelque chose qui a été prenant au niveau énergétique surtout. Mais là, on nous parle d'un engagement, d'une concrétisation et le fait de clôturer quelque chose. Je pense qu'il y a de nouvelles décisions à prendre pour vous par rapport à un engagement. Peut-être que vous faites le bilan d'une situation qui va vous permettre de concrétiser un projet. Ça peut être aussi le fait de que vous clôturez un cycle et vous engagez dans quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder plus en profondeur. On a la croix. La croix qui peut représenter un poids. Alors, ça peut être comme un fardeau. Peut-être que vous portez quelque chose qui est difficile. Vous avez une possibilité de vous libérer ici d'un chagrin, d'une tristesse et surtout de terminer un cycle. C'est vraiment ce que je perçois, c'est qu'il y a une possibilité pour vous de clôturer quelque chose qui a été lourd à porter, qui a été pesant au niveau de vos énergies. Et on va voir par rapport à quoi. Ça peut être une personne qui justement pense à quelque chose. Peut-être que vous repensez à une situation du passé où vous êtes focalisé sur quelque chose du passé et vous portez ce poids sur vos épaules, vous portez quelque chose de lourd et de pesant. On a également les hiboux ou les chouettes. Donc là, il va y avoir une situation qui va vous apporter de la maturité. Il y a quelque chose qui va vous aider à évoluer dans une situation, à puiser vraiment des ressources à l'intérieur de vous, à trouver des réponses également avec les chouettes ou les hiboux et à avoir de nouvelles possibilités. Donc vous aurez la possibilité ici de terminer un cycle, de terminer quelque chose de pesant, de lourd, hein, au niveau des échanges, au niveau des discussions. On a l'ours également, donc là ça va parler peut-être aussi de mettre de la lumière sur quelque chose qui a touché vos énergies. Comme si vous étiez énergétiquement fatigué, il y a quelque chose qui vous épuise et ça touche votre force énergétique, ça touche votre force vitale. Donc vous avez l'impression de traverser quelque chose qui est pesant, qui est lourd. Et ça peut être, pour certains, ça peut être des difficultés financières ou ça peut être quelque chose de pesant à régler, une situation importante. On a les lys. Avec l'ours, ça va être tout ce qui est un engagement, une concrétisation au niveau administratif, au niveau des papiers. Il y a une gestion importante, il y a une possibilité pour vous de vous engager dans quelque chose, dans un projet officiel également. Et on voit avec l'ours ici qu'il y a quelque chose qui vous apportera de la force, vous apportera une détermination pour vous engager dans un projet,
pour concrétiser quelque chose d'important. Notamment avec le lit, ça peut être tout ce qui est administratif. Donc il peut y avoir une gestion, une nouvelle gestion administrative. Peut-être que vous avez des papiers à gérer et c'est pesant dans une situation. C'est possible également que vous ayez quelque chose d'officiel qui se mette en place pour ce mois. Et on sent que ça va se développer tout au fil du mois. Et on a le puits qui ressort, le puits qui va parler ici d'introspection, de recherche. Trouver des réponses à l'intérieur de vous, aller puiser une énergie aussi en vous. Donc ça peut être une recherche intérieure. Ça peut être le fait que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir trouver des réponses. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel et de concret ici qui va vous permettre, vous allez aussi en tout cas, je pense que ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Vous allez pouvoir réfléchir tranquillement à un projet, à une situation et trouver des réponses en vous. Et j'ai ma manche qui est accrochée. On a la carte du mont avec le puits. Qu'est-ce qu'on va nous indiquer? On va nous indiquer ici que vous allez dépasser des obstacles. Vous allez vraiment avoir la possibilité d'aller au-delà justement de blocages, de situations complexes. Et vous allez trouver de la force, vous allez trouver l'énergie pour pouvoir dépasser ces obstacles. Vous allez avoir la possibilité de contourner cet obstacle. Mais on nous dit également que tout ce qui est concret, donc dans des démarches, dans des papiers, dans tout ce qui est officiel, vous avez la possibilité de trouver des réponses et de voir quelles sont les possibilités. Ça peut être, pour certaines personnes, le fait que vous mettez en place de nouveaux défis. Ça peut être le fait que vous vous dites, voilà, je vais me projeter dans une situation, de faire comme si elle était déjà présente dans ma vie et avoir la possibilité de dépasser une situation. Et on a un changement, on a une évolution avec la cigogne, avec l'hélice, ça va être tout ce qui est administratif. Peut-être que vous êtes dans des démarches de déménagement aussi qui demandent des finances et vous avez la possibilité de mettre en place un changement et de dépasser ces blocages. Donc ici, il y a vraiment une phase d'évolution, une phase de transition pour vous. Il y a également encore une fois cette notion de démarche. Pour ce changement, pour cette évolution, vous êtes en train de faire des démarches importantes. Vous avez envie d'une concrétisation et de signer quelque chose, de vous engager dans un projet. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui a demandé du temps, mais que vous avez la possibilité de vous engager dans quelque chose de nouveau. Et on a aussi le renard, donc le renard avec la lettre. Ça va être peut-être un contrat professionnel, ça peut être des démarches professionnelles, peut-être que vous allez communiquer par écrit aussi en rapport avec la carrière. Vous allez en tout cas avoir la possibilité de vous engager dans un projet professionnel et de dépasser des obstacles, de contourner un obstacle important. Ensuite, nous avons les souris. Donc les souris avec le renard vont nous indiquer ici qu'il y a peut-être du stress. Il est possible qu'il y ait une situation qui soit assez pesante, assez prenante dans ce que vous vivez. Il y a une envie de changement, mais vous vous sentez vraiment pris dans quelque chose qui est stressant, qui est prenant, surtout au niveau professionnel. Peut-être que ce sont des difficultés qui sont en face de vous et vous avez envie de dépasser ces difficultés, de contourner un obstacle et de mettre en place un changement. Ensuite, on a l'enfant. L'enfant avec les souris. Peut-être qu'il y a un enfant autour de vous qui est très stressé. Peut-être aussi que vous allez communiquer avec un enfant. Et on voit que c'est un enfant qui réfléchit énormément, que c'est un enfant qui a besoin de trouver des réponses. Et il y a une sorte ici de communication importante qui ressort par rapport à cet enfant. Et on voit que c'est un changement, on voit que c'est peut-être des démarches aussi que vous mettez en place par rapport à cet enfant. Mais ça peut être aussi le fait que vous commencez un nouveau projet professionnel et vous êtes en pleine démarche, vous cherchez des réponses, vous mettez en place tout ce qui est démarche administrative, etc. pour commencer un nouveau projet. Et enfin, on a le cavalier. Et le cavalier avec l'enfant, ça va être un nouveau départ. C'est vraiment la nouveauté qui ressort ici. Vous êtes en pleine construction, en pleine planification, mais aussi avec la carte du cavalier, on va nous indiquer des nouvelles, peut-être quelqu'un qui vient vers vous, vous allez vers une personne et vous allez vraiment communiquer, vous allez dans une ouverture importante, surtout sur le plan professionnel et financier. Il y a quelque chose qui se passe ici par rapport à cela. Des nouvelles en lien avec votre carrière aussi et une nouvelle concrétisation, un nouvel engagement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages.
dans les énergies au niveau général. Alors, on va continuer, on va prendre le tarot Radiant Wise Spirit Tarot. On va voir ce qui ressort ici au niveau général. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qui ressort au niveau général? Alors ici, on a la carte des amoureux, donc peut-être un choix. Vous prenez une décision, vous êtes dans une hésitation ici pour vous engager dans quelque chose, dans un projet peut-être aussi, ou dans une relation. Vous êtes en pleine hésitation par rapport à une relation. Et on va voir, dans la coupe, on a le 10 de bâton et on a le 9 d'épée. Donc là, ça va représenter un poids. Un poids par rapport à quoi? Il y a peut-être des craintes, il y a quelque chose qui vous pèse. Vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui représente un fardeau pour vous. Et on a une envie de prendre des décisions pour s'ouvrir peut-être au niveau des communications. On peut avoir ici de nouvelles relations qui sont des relations à l'étranger. Peut-être que vous allez communiquer avec des nouvelles personnes et on sent qu'il y a quelque chose qui va être libérateur. On sent aussi qu'il y a une possibilité pour vous de vous libérer d'un poids, d'un fardeau. Vraiment avoir la possibilité de poser des mots sur ce que vous traversez, sur une situation bien précise. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Quels sont les messages ici pour vous au niveau général? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la reine de coupe avec le 4 de denier et le roi, le 3 de denier. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être que vous vous protégez par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui va se construire. Alors, ça parle de travail d'équipe, de collaboration, de partage, peut-être des partenariats qui vont être créés. Mais il y a quelque chose que vous protégez, peut-être émotionnellement. Il y a un projet de cœur, il y a quelque chose d'important pour vous qui émotionnellement vous touche. Il y a une situation que vous avez envie, à laquelle vous avez envie de vous connecter et en même temps vous vous protégez par rapport à cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 2 de denier, on a la reine d'épée, on a l'as de denier, la force, le roi de denier et le 2 d'épée. On a cette reine de denier ici qui impose, hein, on sent qu'elle a une présence, on sent qu'elle dégage quelque chose de fort. La reine d'épée, c'est une personne qui va prendre les décisions, qui va prendre les devants, qui va prendre des décisions importantes, qui a beaucoup de responsabilités aussi. Donc c'est quelqu'un qui va avoir la possibilité de clarifier certaines choses par rapport à des doutes, hein, par rapport à des prises de décisions. Elle va pouvoir se positionner et réfléchir à quelque chose d'important, notamment ici. Ce qui peut concerner les finances. On sent que vous avez des décisions à prendre au niveau financier par rapport à la gestion d'un projet, à une stabilité que vous souhaitez retrouver. Et il y a une notion de force, il y a une notion de vitalité aussi. Donc vous avez besoin de retrouver de l'équilibre dans une situation, de peser le pour et le contre, de vraiment rétablir cet équilibre et pouvoir ici avancer, pouvoir vraiment faire les choses de manière très posée, très mature aussi, et dans une concrétisation, avoir la possibilité de vous engager dans un projet. Mais vous vous questionnez, vous êtes encore dans le doute, hein, vous n'arrivez pas encore à retrouver de l'équilibre par rapport à cet engagement, et vous avez peut-être envie d'investir aussi financièrement, vous avez peut-être envie de concrétiser un projet financier. En tout cas, il est question d'équilibre ici. Il est question de rétablir un équilibre dans une situation. Alors, on va regarder également avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux? Quels sont les messages au niveau sentimental? On va voir ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental? Quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Alors, dans la coupe, nous avons le oui et nous avons le féminin. Donc, ici, il y a quelque chose de très positif par rapport à une personne. Vous allez aussi ressentir les choses. Le féminin, c'est celle plutôt qui va ressentir les choses. C'est celle qui va être réceptive, qui va avoir cette finesse, cette possibilité de percevoir les énergies. Et on voit qu'il y a quelque chose qui avance pour vous, hein, de très positif.
très positif par rapport à des ressentis, à une sensibilité que vous avez aussi au niveau émotionnel. Alors, on va voir ce qui se passe dans les messages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a la déclaration, on a l'inconstance et la jalousie. Donc attention, ici il y a de la jalousie, il y a des personnes qui essaient de bloquer vos projets, mais vous êtes prévenus, on voit que ça peut créer de l'instabilité dans ce que vous vivez et il y aura une déclaration de sentiments. Donc une personne qui vient vers vous, c'est possible qu'il y ait eu beaucoup de possessivité dans la relation et d'instabilité, mais on a une ouverture au niveau des sentiments. Ça peut être une personne qui a des enfants ou vous-même, vous avez des enfants et il y a eu beaucoup de hauts et de bas quand même, hein, d'instabilité importante dans cette relation. On a l'emprise, on a les masques, on a l'amour, on a l'aimant, l'illusion et le pacte. Donc là, il y a beaucoup de sentiments. Il y a une possibilité de mettre en lumière aussi des choses qui ont été un petit peu discrètes, comme si vous n'aviez pas pu poser des mots sur une situation ou bien vous étiez comme dans une emprise. Intérieurement, je pense que vous étiez bloqué par une situation et vous n'arriviez pas à exprimer certaines choses ou la personne en face de vous n'arrivait pas à vous dire les choses, n'arrivait pas à enlever son masque et à dire vraiment la situation de manière authentique. Donc ça a pu entraîner beaucoup d'illusions ou beaucoup d'instabilité dans la relation. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a un amour qui vous porte. En tout cas, la notion de pacte, c'est comme si vous aviez un engagement fort envers cette personne et la possibilité de créer une relation plus intense, créer vraiment quelque chose de fort et de limpide, mais surtout de vous détacher des illusions parce que dans cet amour, il peut y avoir beaucoup d'emprise. C'est possible que ce soit une relation avec beaucoup de possessivité et la possibilité ici pour vous justement de vous défaire de cette énergie, de ce qui peut entraîner des hauts et des bas dans cette relation. Et on voit également beaucoup d'amour, donc il y a beaucoup de sentiments. Malgré le fait que vous êtes en train de mettre en lumière des situations, et je pense que vous dépassez ici quelque chose, vous dépassez quelque chose qui a été vraiment dans le flou et dans les doutes, où vous n'avez pas eu la possibilité d'éclaircir cette relation d'amour. Et on va voir également qu'est-ce qui ressort, quel est le message des gardiens de la lumière, qu'est-ce qui se passe ici dans les énergies. On va voir le message pour vous, qu'est-ce qui ressort. Alors, pour les taureaux, quel est le message qui va vous accompagner? On a Saint-Germain qui vous parle de libération du karma. Dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Donc là, vous êtes en train de vous libérer et de dépasser tout traumatisme, toute situation qui a pu vous bloquer sur votre cheminement de vie et la possibilité de créer un espace beaucoup plus lumineux, beaucoup plus apaisant. Qu'est-ce que vous dit Saint-Germain? Alors, on va voir ici, avec ce message, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit « Le karma est la loi spirituelle de cause et d'effet. » Nous expérimentons de nombreux niveaux de karma, nous en héritons de notre famille et des gens que nous aidons à sortir des problèmes qu'ils se créent. Saint-Germain est présent en ce moment pour nettoyer votre énergie afin que vous cessiez de porter le poids du monde ou celui de vos proches sur les épaules. Sentez qu'un ancien schéma quitte votre vie et libère de l'espace pour attirer quelque chose de meilleur. Visualisez-vous entouré d'une cape d'un violet éclatant pour libérer le karma dont vous n'avez plus besoin. Donc vous portiez jusqu'à présent un poids sur vos épaules. Vous avez besoin de vous libérer justement de ce poids et de vous créer un nouveau chemin, plus lumineux, plus éclairé, et surtout la possibilité pour vous de dépasser les traumatismes qui ont pu faire partie de votre cheminement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, et bien sûr je vous dis un grand merci.